C'est le petit singe. Ah, si on va par là, alors, vas-y. Il arrive au bar, ouais. Et il s'agrippe au comptoir comme ça, il dit au garçon, vous avez des bananes? Et le garçon, il dit, non, on n'a pas de bananes. Et le petit singe, il dit, vous avez des bananes? Il dit, non, je viens de vous dire que j'avais pas de bananes. Et le petit singe, vous avez des bananes? Il dit, oh! Arrête, hein! Tu me redemandes encore une fois si j'ai des bananes! Je te tire la langue et je la cloue sur le comptoir! Et là, le petit singe, il dit, vous avez des clous? Alors, le mec, il dit, non, j'ai pas de clous! Alors, vous avez des bananes? Le mec, il rentre chez lui. La femme retrouve son mari. Elle est montée un peu vite dans la chambre, un peu à l'improviste, on va dire. Elle trouve son mari à poil, complètement à poil, sur le lit. Tout transpirant, tu vois, avec la respiration un peu courte comme ça. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Et lui, il est un peu pris de panique, il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Sa femme descend 4 à 4 les escaliers, et là, elle tombe sur son petit garçon de 4 ans qui lui dit, maman, il y a tata Lisette. Elle est complètement toute nue, elle est dans l'armoire de la chambre. Elle dit quoi? Elle remonte 4 à 4. Elle ouvre la porte de l'armoire, elle voit sa sœur à poil. Elle lui dit salope, salope. Alors mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Le mec est dans un bar, donc il commence à boire des coups avec le barman et tout. Il est complètement bourré, le mec et tout. Il lui dit, je te parie 20... Le mec qui est au bar, le bourré, il lui dit, je te parie 20 euros que là, je suis capable de mordre mon œil droit. Le barman, il dit, bon, il dit, je vais lui prendre 20 euros facilement. Il dit, bah vas-y, il sort 20 euros, il met sur la table, il dit, vas-y, bah, vas-y, tu vas faire comment, vas-y. Le mec, il enlève son œil comme ça et il mord son œil. Oh, parce qu'en fait, c'était un œil en verre. Et il remet son œil comme ça. Le barman dit, ah putain, il s'est fait prendre 20 euros, il dit, ah merde et tout. Le mec, il regarde comme ça, il dit, je te parie 20 euros que je suis capable de mordre mon œil gauche. Oh là. Et il dit, attends, c'est pas possible. Il est pas aveugle, le mec. S'il a deux yeux, il est aveugle. Il dit, c'est pas possible. Il dit, vas-y, je vais récupérer mes 20 euros. Allez, 20 euros. Le mec, il enlève son dentier et il mord son œil gauche. Ah, il dit, oh putain, il m'a eu là, il perd 40 euros, il commence à être pas bien, le barman et tout. Le mec, il voit qu'il est pas bien, il dit, bon, je te parie 40 euros. Que je me mets à 3 mètres, tu prends un verre, un shooter comme ça, et je pisse dans le shooter sans mettre une goutte à côté. Ouais, le mec il dit c'est impossible, c'est bon, là je vais récupérer mes 40 balles. Il dit ok, 40 balles comme ça. Il prend un verre de shooter, le mec il se met à 3 mètres comme ça, il commence à pisser, il pisse partout dans le bar, partout, il met pas une goutte dans le shooter, partout. Là le barman il rigole, il dit ah, il prend les 40 euros comme ça et tout, et il voit que le mec rigole en face. Il dit mais pourquoi tu rigoles, je viens de te prendre 40 euros là. Il dit parce que tu vois le mec au fond du bar là-bas, hein, j'ai parié 1000 euros avec lui que si je pissais dans ton bar, t'allais rigoler. Oh, incroyable. Bravo.